Le conflit de Carrefour-Port-de-Bouc s'enlise. Entamé vendredi dernier lors d'un mouvement national pour les salaires, la grève à l'appel de la CGT est toujours suivie ce jeudi par une partie du personnel de l'hypermarché. Aujourd'hui, les grévistes, qui ne disposent pas de cantine, réclament des tickets restaurants, comme il en existe dans d'autres magasins du groupe. Une revendication locale qui s'est ajoutée à la grogne sur les salaires. Moi, je sais particulièrement pourquoi cela n'avance pas. C'est parce que, à la fois de mon mandat de délégué syndical, j'ai un mandat de délégué national au sein de Carrefour, je dirais même Carrefour Group. Et ils en font une affaire de principe en se disant certainement qu'ils ne vont pas lâcher parce que ça risque de faire boule de neige. Mais nous, on n'est pas sur ce terrain-là. Certes, au niveau national, l'ensemble des salariés ont démontré un ras-le-bol sur les salaires, sur leurs conditions de vie, sur la perte du pouvoir d'achat incessante depuis des années. Mais pourquoi ils en font une affaire de principe alors qu'il y a simplement lieu d'accorder le ticket restaurant local sans en faire pour autant une affaire de principe sur une déléguée nationale? Je trouve ça, à l'égard des salariés, méprisant. Pour le moment, la direction que nous avons contactée n'a pas accepté d'accorder de tickets restaurant aux salariés. Un référé a été déposé en justice pour permettre l'approvisionnement du magasin. L'actuel directeur de Carrefour Port-de-Bouc n'est arrivé en fonction qu'il n'y a une quinzaine de jours.
personnel du carrefour de Port-de-Bouc dans les Bouches-du-Rhône est en grève depuis 8 jours aujourd'hui. Un mouvement pour demander des tickets restaurants, une revendication qui, pour l'instant, n'a pas été satisfaite par la direction. La direction qui, hier, a même fermé les grilles du magasin, emprisonnant des salariés et même des clients. Christine Donato et Joseph Lovette. Après une heure de rencontre avec la direction, aucune proposition concrète ne permet d'arrêter la grève. Dans les autres magasins, les revendications ont pourtant été rapidement satisfaites, mais ici, le dialogue ne passe pas. Cela fait exactement 6 jours avec l'ensemble des salariés où on ne dort pas, nous sommes sur les piquets. Et je pense que l'usure est volontaire. Merci. Vous pensez qu'ils cherchent à vous faire craquer ? Oui. Carrefour refuse toujours l'attribution de tickets restaurants à ses salariés, un ticket à 3,05 €. Ici, la direction a installé en salle de repos un simple distributeur de sandwichs. Tous les midis, nous faisons nos achats dans le magasin. Donc on pointe notre pause, on va faire l'achat de nourriture, donc salade ou sandwich, après ce qu'on a besoin. On passe en caisse, donc en payant de notre poche le repas. Et donc c'est pris sur notre temps de pause également. Ensuite, on va en salle de pause pour manger notre repas qui est on mange très rapidement. Les salariés grévistes attendent des réponses écrites de la direction, une direction qui a refusé de nous recevoir. Je souhaiterais voir la direction. La direction est étonnée. Vous ne la filmez pas. Non, la direction est... Thank you.
touchée par une grève des salariés qui demandaient de meilleures conditions de travail et une revalorisation des salaires. Tous ont repris le travail, sauf à Port-Debout où la situation est tendue. Ce matin, les forces de l'ordre ont été requises pour permettre le réapprovisionnement dans les rayons. Marc Civalero et Guy Battini étaient sur place. Face à face tendu ce matin sur le parking du centre commercial. Après 10 jours de conflit et de blocage du magasin par les salariés grévistes, la direction a décidé de faire intervenir les forces de l'ordre afin de réapprovisionner ses rayons. Depuis vendredi 25, nous n'avons plus de marchandises dans le magasin. Hein, comme vous pouvez le voir, il y a certaines gondoles qui sont complètement vides. Okay. Donc nous avons essayé de faire passer des camions à plusieurs reprises et ces camions ont toujours été bloqués et rejetés. Donc il y a eu après plusieurs constats d'huissier, donc nous avons déposé une ordonnance auprès du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence. Et sur cette ordonnance, donc, il y a le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a ordonné donc, l'intervention des forces de l'ordre. De leur côté, les salariés qui réclament toujours de meilleures conditions de travail et la revalorisation de leur pouvoir d'achat dénoncent ce coup de force. Vous trouvez normal que les forces de l'ordre, on envoie les forces de l'ordre alors qu'on réclame un petit plus pour notre pouvoir d'achat, c'est-à-dire de manger un petit peu plus. Vous trouvez que c'est normal que le patronat, y compris les pouvoirs publics, y compris le gouvernement, nous envoie les CRS, nous, des femmes de famille pacifiques, c'est un scandale. C'est un scandale. Fin de matinée, les CRS quittent le site. Depuis le milieu de l'après-midi, syndicats et direction ont rouvert les négociations sous la médiation de l'inspection du travail. Thank you.
conflit se poursuit au magasin Carrefour de Port-de-Boux. Les salariés sont en grève depuis le 25 mars pour obtenir des tickets restaurants et des embauches. 13 jours de grève et des discussions au point mort. Sur place, la tension monte. La direction accuse les grévistes d'actes de violence et de sabotage. Olivier Chartier, Jolovette. 13 jours de grève au centre Carrefour de Port-de-Boux qui ont laissé des traces. Des traces visibles sur le parking, d'autres plus insidieuses dans les esprits. Dans ce bras de fer qui les oppose, syndicats et directions ne sont d'accord sur rien, pas même sur le taux de participation à la grève, de 20 à 70% selon les sources. Merci. Plus grave, la direction accuse les salariés en grève d'avoir recours à des actes de violence. Menaces, camions de livraison bloqués, clous semés sous les pneus des véhicules appartenant aux non-grévistes, stations-service sabotées. Malheureusement, tous les monnayeurs à carte de crédit pour prendre le carburant en 24-24 ont été bouchés, obstrués par des lames de rasoir, des morceaux de cutter cassés à l'intérieur. Et puis en plus, ils ont été rebouchés avec un genre de pâte silicone, pâte à bois ou je ne sais pas. En fait, donc la station est complètement hors circuit depuis, je dirais, à peu près maintenant, un peu plus d'une semaine. Mensonges et manipulations, rétorquent les syndicats. Les syndicats qui accusent à leur tour la direction de jouer un jeu trouble, répandre de fausses nouvelles pour dresser une partie du personnel contre leurs collègues en grève. Les salariés non grévistes, on leur a fait signer des pétitions à notre égard, contre nous du moins, sous couvert qu'on a dégradé la station, qu'on a mis des coups, qu'on a cassé les voitures, mais énormément de choses qui sont totalement fausses. On a mené le mouvement pacifique du début et on le continuera jusqu'à la fin. Cet après-midi, de nouvelles négociations se tenaient en terrain neutre au siège de la direction départementale du travail à Marseille. Au bout de 2 heures de discussion, la délégation des grévistes est sortie en claquant la porte. Carrefour Port-de-Bouc s'apprête à entrer dans sa 3e semaine de conflit. Thank you.
ce mardi, Evelyne Petit, la secrétaire nationale CGT de la Fédération du commerce et des services, a tenu à venir de Paris soutenir les employés du supermarché Carrefour en conflit avec leur direction. Le message a été clair, résister à un directeur qui refuse tout dialogue social. Les méthodes de management utilisées par cette direction contraignent les salariés à se mobiliser. Le mépris dont elle fait preuve face aux revendications ne peut trouver d'autre réponse que l'action. Le bras de fer dure depuis 19 jours, 24 heures sur 24. Les grévistes, à majorité féminine, se relaient sur le piquet de grève. Entre la mobilisation et la garde des enfants, elles tentent de s'organiser. Je peux leur dire que je sais que c'est très très difficile de travailler dans nos secteurs, que les salaires sont bas, que le combat qu'elles mènent est un combat juste, que je salue leur courage et leur dignité parce que c'est extrêmement fort et que la plupart des conflits d'ailleurs dans notre fédération, il y a beaucoup beaucoup de femmes puisque chez nous, c'est vraiment le salariat, l'essentiel du salariat est des femmes. Et les femmes, je n'oublierai pas les hommes dans cette lutte, ni dans toutes les luttes, mais je dirais que les femmes sont très déterminées et qu'elles ont beaucoup, beaucoup de courage et de volonté pour continuer et pour gagner. Dans les médias, la direction du magasin Carrefour s'obstine à ignorer les revendications des grévistes, notamment celle de l'obtention de tickets restaurants. Ce mardi soir, la municipalité de Port-de-Bouc organise un conseil municipal extraordinaire sur ce conflit qui s'enlise. Aujourd'hui, nouveau rebondissement avec le personnel non gréviste qui monte au créneau. Reportage de Jean-Manuel Bertrand, Joseph Lovette et Bernard Combes. Vous êtes un gréviste, je le conçois, mais moi, je veux garder mon magasin. Laissez-nous passer les camions. Voilà, on veut travailler. On a envie de travailler. Nous aussi, on a envie de travailler. C'est pas vrai. On veut travailler. L'opposition n'a pas tourné à l'affrontement. Mais l'ambiance est tendue. D'un côté, les salariés grévistes emmenés par la CGT. De l'autre, des non-grévistes accompagnés par le directeur. La rencontre a lieu dans l'allée centrale du magasin. Des non-grévistes qui se disent majoritaires et indépendants. Demain, je ne veux pas me retrouver à la rue. Parce qu'actuellement, je pense que pour trouver un travail, je ne sais pas, monsieur, mais regardez ce qui se passe autour de nous. Donc, je ne vois pas comment on peut faire. Vous n'avez pas la sensation d'une manipulation dans cette affaire ? Non, pas du tout. Je ne suis pas manipulée. Je ne suis pas manipulée. À l'origine du conflit, une simple revendication pour des primes de rendement et des tickets restaurants. La direction refuse. Les provocations se multiplient alors de part et d'autre. Difficile de trouver une solution car de l'aveu même du directeur, ce magasin ne serait plus rentable. La porte de sortie, on essaye de la trouver depuis 15 jours, à essayer de faire des propositions à l'ensemble des syndicats et à chaque fois qu'on amène quelque chose sur la table, on nous demande plus et on nous rejette nos propositions. Les salariés de la grande distribution chez nous ne se rendent pas compte comment ils sont conditionnés par un patronat qui de toute façon va les remplacer à moindre coût par d'autres salariés. Et je pense que ça, si elles ne l'ont pas compris, c'est dommage pour elles. La direction a porté plainte pour dégradation et entrave. Les grévistes ne veulent pas relâcher la pression. Depuis 2 semaines, ce conflit s'enlise dans un climat chaque jour plus délétère. Un conseil municipal extraordinaire.
un conseil municipal extraordinaire, situation extraordinaire. Le conflit du magasin Carrefour de Port-de-Bouc, sujet unique d'un conseil municipal extraordinaire qui s'est tenu mardi soir salle Gagarine. La grève en est à son 20e jour et aucune négociation ni médiation n'a permis de sortir du conflit au cœur duquel se trouve la demande d'obtention de tickets restaurants pour les salariés du magasin. Michel Vaxès a fustigé l'attitude de refus de la direction, puis a longuement expliqué la situation financière du magasin, pointant les frais de loyer en augmentation exponentielle qui plombent ses résultats. On est en droit, et je l'ai dit à la direction de Carrefour, de s'interroger sur les objectifs du groupe. Que cherche-t-il ? Envisage-t-il de mettre un terme à son activité à Port-de-Bouc ? En tentant d'en faire porter la responsabilité à ses salariés. Je ne sais pas. Les chiffres qui le prouvent, le magasin fait de l'argent avant amortissement, après amortissement évidemment, on a vu ce qu'a dit aujourd'hui le maire de Port-de-Bouc, il n'est pas question qu'il ferme, et puis nous l'ont dit tout à l'heure, de toute façon à Aix, que le magasin n'était pas prévu de fermeture, aujourd'hui ils font de l'argent. Je pense qu'aujourd'hui, ils veulent surtout qu'à Carrefour, il n'y ait pas de grève et qu'il n'y ait pas de CGT. On a l'impression de se battre comme envers des moulins à vent, quoi, parce que tout ce qu'on dit, tout le monde ne nous croit pas. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes et on ressent vraiment une grande satisfaction et soulagement. Le conseil municipal extraordinaire avait donc pour mission d'informer la population sur le conflit et surtout pour signifier la solidarité de la municipalité aux grévistes. Les 300 personnes présentes ont applaudi debout à la levée de séance. C'est chaud au cœur, toute la population nous soutient. Franchement, c'est très bien, c'est fort. C'est fort d'émotion, c'est humain, c'est tout ce que nous ressentons au fil des heures, c'est énorme. Carrefour Port-de-Bouc. Sous l'égide de la sous-préfecture, les négociations interrompues il y a deux jours ont repris ce vendredi matin. À la table, les directions régionales et locales de Carrefour et la médiatrice de la direction départementale du travail et de l'emploi. Des avancées concrètes ont été constatées par les grévistes et la CGT. Un protocole d'accord a été présenté dans l'après-midi aux salariés en grève depuis plus de trois semaines. Les négociations ont ensuite repris en sous-préfecture sans qu'aucune information nouvelle n'ait filtré en ce début de soirée.
le travail a repris ce week-end à Carrefour Port-de-Bouc. Vendredi, la CGT et la direction ont trouvé un accord satisfaisant les deux parties. Des contrats à durée déterminée seront transformés en CDI. Un protocole d'accord est mis en place pour l'arrivée des tickets restaurants dans l'hypermarché. Les jours de grève seront progressivement décomptés aux salariés. Syndicats et direction doivent maintenant tenter d'oublier cet épisode sans précédent dans l'histoire du magasin.